essayez, doublez les langues, casse-couture, ceinture-tailleur, et puis vous pouvez les quitter, vous voyez, c'est vrai, c'est pas cher, 20 francs, 20 francs pour un franc, et pour les terminer, 30 francs pour un. Est-ce que ça vous satisfait, la braderie à Rennes, aujourd'hui? Oh, très bien, très bien, il y a des bons coups. Alors que vous il y a des choses intéressantes, mais il y en a qui y font pas. Alors que trouvez-vous, alors, d'intéressant en particulier? Il y a les robes toujours là, mais celles-là sont chères, il veut pas rabattre. Les robes sont chères pour la braderie? Pour lui, elles sont chères, c'est lui qui vend le plus cher. À combien elles sont ces robes? 3 000. Hein? 3 000 francs. Et vous les désirez à combien? 10 francs. Hein? 10 francs, c'est suffisant. Madame, avez-vous trouvé des choses très intéressantes à la braderie aujourd'hui? Ben, ma foi. Je me suis chargée trop vite d'ailleurs. Ah bon? Parce que maintenant, ben. Vous avez fait de porter. Vous avez fait le tour, non? Oh, pas encore tout. Quels sont, à votre avis, les objets les plus intéressants? Il y a pas mal de choses. Hein. C'est difficile? Oh oui, il y a pas mal de choses. 200 francs? Mademoiselle, comment a marché la vente ce matin? Oh, très bien. Hein. Très bien. Ouais. Et qu'achètent en général les gens? De tout. C'est-à-dire? Des policiers, de la bonne littérature. Est-ce que vous avez un ordre d'idée, un ordre de grandeur? Combien de livres à peu près avez-vous vendu? On a bien vendu 150, hein? Au moins, oui, ça, oui, avec les il y en petits, avait une oui. cinquantaine de petits, enfin, oui, de petits bouquins hein. d'enfants. Est-ce que vous pensez que ce rythme va se poursuivre? Oh oui, on espère. Ce soir, on n'aura plus du tout de livres sur la table.